Et si Alger se dotait à l'avenir d'un pont, comme celui de Brooklyn, d'Istanbul ou encore de Lisbonne, et qui permettrait de relier le côté est et ouest de la baie, une idée qui a été exposée ce matin à l'École polytechnique d'architecture et d'urbanisme par Nassim Barly. Alors, Jisr al-Jazair, c'est d'abord une vision. C'est une vision qu'on veut citoyenne, collaborative, interactive. C'est quelque chose qu'on veut partager avec tous les Algérois et tous les Algériens, parce que c'est important. C'est quelque chose qui concerne leur ville, qui concerne leur pays et qui concerne leur quotidien. Il émerge la volonté d'un collectif. Il n'y a pas que des architectes, justement, c'est ça le but, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des artistes, des ingénieurs, des gens de la littérature, des sociologues, des anthropologues, des historiens. Mais en fait, quelle serait l'utilité de ce pont ? Il aura plusieurs rôles à jouer. D'abord, désenclaver toute la partie est d'Alger, donc toute la zone Marsa, Entaïa, Rouiba, Tamenfoust, Bordj el Bahri, pour avoir vraiment quelque chose, un nouvel Alger dans le futur. L'Alger est fragmenté en plusieurs morceaux, comme nous l'avons exposé, et donc ce pont est là pour lier et en faire un tout homogène. Outre l'aspect pratique, ce pont sera aussi une manière de développer le tourisme et de donner une nouvelle image de la baie d'Alger. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment donner la possibilité, pas uniquement aux gens qui prennent le bateau de voir la baie, mais à travers les îles flottantes, donner la possibilité à tous les Algérois et tous les Algériens et les touristes, ils vont venir de pouvoir s'arrêter sur ces îles grâce au pont, grâce au métro, grâce au tramway, pouvoir apprécier ce panorama sublime et magnifique. Un projet qui fait rêver et qui, espérons-le, deviendra un jour réalité.